de Secret of Mana. Oh là, parce qu'en fait, je viens de voir que la webcam vient de bouger et elle était limite en train de tomber. C'est pour ça que ça m'a décontenancé. Donc du coup, ce soir, on continue Secret of Mana. On s'était arrêté dans le village de la neige. On avait fait donc du coup le désert de Kakkara pour du coup déjà se faire choper par les membres théoriquement de la République, mais enfin de la République du royaume de Pandore, mais qui est plus la République, on va dire, si on le fait à la Star Wars. Donc, du coup, du royaume de Pandore, mais le royaume de Pandore s'était défoncé par l'Empire, et donc du coup, on a eu un combat de boss qui était relativement simple. Et ensuite, du coup, on est arrivé au village de Kakkara, et le village de Kakkara, on nous a dit « Eh, il y a le palais du feu, le problème, c'est que l'esprit du feu n'est pas là, il a disparu. » Et la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était à Polaria, donc le village de glace. Donc on a été au village de glace, et vu qu'il restait peu de temps avant la fin, on a fait un petit peu de leveling tranquillement pour du coup la suite, où là du coup nous allons théoriquement foncer, récupérer donc du coup l'esprit du feu qu'on a besoin pour pouvoir aller dans le palais du feu à Kakkara. Donc on va prendre la manette, on va couper la musique, l'OST de We Were Here, que vous entendrez tout à l'heure du coup. Secret of Mana, et c'est parti. Du coup, vous voyez, il y a la liste de tous les 2 heures de rétro qu'on a fait, mais je crois qu'il y a même des jeux qu'on n'a pas fait, et que j'avais récupéré les ROM. Donc de jeux évidemment que j'avais en étant petit, hein. Ça c'est... Quasiment tous les jeux des 2 heures de rétro, enfin, de toute façon c'est le concept de l'émission, mais quasiment tous les 2 heures de rétro, c'est des jeux que j'avais en étant petit, ou au minimum, j'avais la démo. J'ai pas mis le son. Je vais baisser le son de mon côté, parce que ça me défonce les tympans. Alors du coup, où est-ce qu'on en était en termes de niveau? 1500. Je sais plus c'était quel bouton pour changer, mais... 800. Ok, c'était A du coup, donc 1500 et 1700. Ok, bon, on passera au niveau tantôt. Alors avant ça... Je voulais... Je sais plus si on avait acheté les trucs. Alors... Ah oui, mais le gilet doré, on l'avait, le képi de castor aussi. Donc en fait, c'est les mêmes qu'à Kakkara. Ou alors on avait déjà acheté ici, je me souviens plus. Je ne me souviens plus si on l'avait fait là ou si on l'avait fait à Kakkara. En tout cas, c'est parti. Alors... Merci. Donc on avait up aussi un petit peu les magies. Ils ont des coups chiants. Oh, jolie esquive. C'est moi qui me prends tout dans la tronche. Voilà. Moi je prends les coffres, moi c'est le plus important, je prends les coffres. Bon, j'en ai trop. Mais on va se faire défoncer le cul par un loup quoi. Non bah viens, vite, viens. Non mais j'aimerais par contre que... Le 2 de vital hein, évidemment. Bon, on revient. Faux départ. On se fait défoncer par un loup, quoi. Parce que je vais pas utiliser la magie pour juste ça. Hein. Surtout qu'on tue un loup, on a suffisamment pour dormir. Littéralement non. Hein. Au moins on a récupéré de l'XP. Mais bon, c'était pas voulu à la base. Du coup... Non mais viens là, Micheline. Mais te fais pas défoncer par les loups. Micheline. Mais c'est pas possible. Ok, je passe niveau 23, donc... Bon, après, le truc qui peut être bien, si Micheline ne décède pas, ça serait quand même intéressant. Ça serait du coup qu'il passe au niveau. Voilà, donc elle, elle passe au niveau. Toi, te fais pas défoncer le cul. C'est tout ce que je te demande. Tu vas passer au niveau. Comme ça, tu vas pouvoir être soigné et ça sera nickel. Voilà. On va pouvoir aider Micheline à bouger. C'est bon. Mais bordel. Allez. Ping-pong. Ping-pong. Aïe. Aïe. Non, vous vous débrouillez très bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Très bien, merci Micheline. J'ai appuyé... Ah, j'ai oublié la manette. Ah, attendez. J'ai oublié de récupérer la manette. J'arrive. C'est pas là, c'est là. C'est pas celui-là non plus. Voilà. J'étais en train de tester un truc, je me dis mais attendez. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de bonbons et ils peuvent dropper des bonbons, donc autant les utiliser. Mais j'ai tapé, oh. J'ai pas une meilleure arme? Là je tape à 50 avec ma hache. 51 avec le fouet, 46 avec la truc, 45. Après au moins on les attaque à distance quoi. On va garder le fouet pour l'instant. Mais... Au pire comme ça on va pouvoir améliorer le fouet. Oh oui, oh bah oui. Oh bah oui, c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il fallait. Rodolphe? À l'aide, mon maître a disparu. Il y a qu'un monstre dans le palais de glace. Le monstre s'est emparé de mon maître, au secours. Je viens chez toi alors du coup. Qu'est-ce que c'est? Oh yeah, la sphère de Lens. D'accord. Ça fait que j'en ai deux ou ça fait que ça... Comment ça? Bon bah descendons alors du coup. Voilà. Comme ça, en fait, on peut vraiment les avoir à distance, quoi. Avec le fouet, tape même à travers les murs. Allez hop. Alors du coup... Ah, il y a un panneau. Ah non. Voilà. Esquive. Ah bah ça c'est compliqué maintenant. Non, oui. Allez, paf, toi t'es mort. Oh, pour un bonbon? Pour un bonbon, avec toi. C'est quoi ici? Allez, voyage canon. Inutile du coup. C'est pas pour plus tard. Ah! Il coûte cher, Michel. Ouais, non. Bon. Si, bah, si, allez. Ça coûtera moins cher de... Au moins de lui donner ça. Ah, le fouet, niveau 1. Bravo. Ah, je sais pas si je l'ai touché du coup. Bon, là oui. Du coup, c'est peut-être par là. Bon, ça va. C'est quand même un 88 de dégâts chargés, ça va quoi. Sweetie, sweetie. Je crois que lui, c'est uniquement la magie. Ça tombe bien, ils sont deux. Ah bah, non, si, on va faire un truc avant. De toute façon, on a des noix. Mais le problème, c'est que les noix, ça coûte cher. PV. Ah oui, ok. C'est la magie de feu. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Merci. Allez, pouf. Ouais, pour l'instant, on peut rien faire contre eux parce que... on n'a pas la magie de feu. Hein? Oh, mais qu'il est con. Mais... Si tu pouvais... faire ta magie... Ah, on dit niveau 3 du coup. Non. Ah, du coup ça lui a pas fait mal parce que bah du coup... Bon, au pire... En fait, c'est, je pense qu'il faut impérativement que... En fait, faudrait que je lui dise de pas s'approcher, quoi, contre un boss comme ça. Ouais, du coup, même timé, en fait, ça fait ça, en fait. D'accord. Par contre, Micheline... Il va falloir de toute façon. Bon. Non. Maintenant, il faut que je lui dise de pas bouger. On lui dira de s'approcher plus tard, quoi. C'est moi qui vais dedans, quoi. Quête. Alors, tout ce qui se l'est pris, du coup. Ah, mais j'étais trop loin, en fait. Ah. Il est pas dur, il est juste chiant, quoi. Aïe. Loupé. Bon, là c'est moi qui ai emmené l'IA sur l'ennemi, quoi. Paf. Juste être très long. Oui, d'accord. Bye, forcément. Non. Il s'est soigné, ce con. Il peut se soigner, bordel. Le pire, c'est que c'est chiant, c'est qu'on s'est... on a augmenté nos magies, mais en fait pour rien. On a augmenté nos magies pour rien parce qu'on pouvait pas l'utiliser. Mais bon. Peut-être pour le prochain boss, quoi. Donc si, peut-être... Quoique. Est-ce que le temple de feu, on aura besoin de ça, quoi? Sphère de l'arc. Ah, bah on va pouvoir améliorer l'arc de Micheline. Okay. Bienvenue à Tropica. Ah, je connais Tropico. Hé, hey, vous, on se connaît? Eh bien, surveillez ce fourneau. Tapez dessus dès qu'il refroidit, d'accord? Nous sommes la Team Rocket. On fait du morse. J'entends quelque chose. Bah oui. Bonjour. Merci. Je suis l'élément du feu. Athanor. Ces gens osent me prendre pour un radiateur. Laissez-moi vous apprendre la force du feu. Et forcément... Encore vous? Vous ne les avez pas reconnus. Désolé. Tous sont partis. J'allais devenir riche. Et la glace du palais de feu? Aucune idée. Lors du rap d'Anator, j'ai vu un type. Ne les aide pas. À plus tard, salut. Ok. Donc, nous avons maintenant le feu. Donc, Micheline peut faire le sabre de feu, incendie et mur de feu. Ah oui, mais en fait, on a, je crois, je suis idiot. On a de toute façon le descriptif. Je crois. Voilà. Donc, sabre de feu, arme avec la force du feu. Incendie, l'ennemi brûle. Et la force combat diminue. Mur de feu, un mur de feu avale l'ennemi. Là, si le feed, elle est à 90 points. Et du coup... Ça, ah, du coup... je suis sûr que s'il y a une combine pour changer, mais bon. Et donc, du coup... Ah, on est 6 niveau 3. Donc, boule de feu, lance des boules de feu. Explosion, une explosion qui ébranlant l'ennemi. Et magma engloutit l'ennemi. Alors... En bas, il y avait les nuages. Est-ce qu'on n'augmenterait pas Anator niveau 1? Il nous faut quoi? Il nous faut que 10 ennemis, en fait. Hein. Pokéball, go! Parce qu'après on a aussi l'arc à upgrade. Ah mais il a plus de PM. Ah, comme dirait l'autre, c'est un problème. Je vais toujours vers le nord, je sais pas où faut aller, mais... Qu'est-ce qu'on a vers le nord? Oh, un chacha. Ok. Quel froid. Une sauvegarde? Où? Bon, sauvegardons. Même si en théorie un chacha faut toujours se méfier, hein. Mais je suis trempé de bouton. Qu'est-ce que t'as à vendre? La merde. a un chacha ici. Pourquoi faire? Aucune idée. Il y a un chacha ici. Bah du coup... Bah, en fait ce qu'on va faire... Avant de partir pour Kakkara et les trucs... Nostalgia niveau 24. Et Arthos niveau 24. Mais... J'aimerais qu'on bouge, voilà. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Beaucoup d'ennemis. Ah mais du coup... Ouais, bon après Micheline pourrait, mais l'intérêt est limité. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, j'adore cette musique. Sauf qu'en théorie on doit pas faire lui en premier. Ok bon hop. On va crever en fait hein. Voilà on se casse. Parce qu'en théorie on doit pas faire lui en premier en fait. On doit retourner à Kakkara. Je crois que normalement... Si... Ah ouais putain là c'est des gros souvenirs de la Solus. Parce que j'avais le livre Solus à l'époque. Non mais... Bon, après si Micheline meurt c'est pas grave. C'est pas grave si Micheline meurt parce que de toute façon comme ça on ira plus vite. Pousse-toi. Voilà. Et je me souviens dans la Solus que c'était marqué vous pouvez faire l'un ou l'autre. Mais le truc c'est que là de toute façon faut qu'on retourne au village, on n'a pas assez de PM. On va pas se le faire. On va pas se le faire comme ça quoi. Après moi dans mon idée je voulais c'était retourner à Kakkara parce que je crois qu'à Kakkara il y a Vulk. Voilà, comme ça on a le truc canon. Ah oui c'est vrai, il y avait ce délire là. Bah, au pire du pire, est-ce qu'on peut revenir au village? Parce qu'au pire, ce qu'on peut faire, c'est on retourne au village, on récupère des PM, et on augmente à Tanor, du coup. Sur le chemin. Ease. C'est pas grave si elle... Mais... J'aimerais pas... C'est... Merci. Voilà. Ah oui. Comme ça on est en stance. Tan 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 tan. Comme ça on est toujours en stance. Donc là dans l'idée, on va ressortir et on va tuer tout le monde avec la magie de feu pour pouvoir gagner de l'XP. Comme ça on aura au moins la magie niveau 1 arrivée là-bas. Y'a pas Vulcain ici, on est bien d'accord. Y'a pas de... Ah si. Ah bah c'est parti. On saurait monter les beaux armes. Donc l'arc qui passe, hop, le grand arc et la lance. Mais du coup on a deux sphères de lance. Et donc du coup... Elle tape à combien maintenant la lance? Lui il tape à 54. Et hop. Petite lance à 57. Ah oui, non, mais du coup, on ne tape plus assez loin. Oh, allons. Ah, en plus, le grand arc rend confus. Ça m'ennuie parce que en fait j'aimerais qu'ils soient tous les deux là. Bon. Hop. Faut attaquer bien avant qu'il décide d'attaquer. Allez hop. Juste comme ça on XP un tout petit peu, on gagne un peu d'argent. Oh, c'est parfait pour... Non. Pourquoi c'était elle qui était sélectionnée? J'aurais pas dû le tuer. Là, du coup, on va retourner à Kakkara. Et l'idée c'est quand même d'augmenter un peu Anator avant d'arriver là-bas. Caca. Donc là dans l'idée c'est palais du feu. Et je sais plus si j'avais fini ma phrase la dernière fois, mais en gros du coup le guide en fait que j'avais il disait en gros il y avait chaque étape. Et en gros là l'étape où on est bah, on peut faire l'un ou l'autre. Je pense qu'on va faire Kakkara déjà et on fera donc palais de feu déjà et on fera palais de glace après. Petite save. Et après, c'est parti pour le palais de feu. Et juste après, bah, on fera le palais de glace. Vu qu'on aura gagné, du coup, pas mal d'XP. Alors, on est tous 22 du coup. Quelqu'un a pris un Anator, le gardien du palais de feu. De plus, la glène de feu a disparu. Ça du coup, Anator c'est bon là. C'est pas par là. Est-ce qu'à vers le sud? Bravo. Ah, je crois que c'est par là. C'est par là. Tout comme ça, c'est d'XP un petit peu à Anator aussi. Bon, tu m'ennuies. Tu m'ennuies d'esquiver tous les coups. Voilà. Ah. Cligner des yeux. Ah, j'étais en train de regarder ce que elle prenait. Bon, on va consommer une noix, hein, tant pis. C'est moi qui me suis pris dans la gueule, putain. Ok. Micheline. Non, pas ça. Ok, on va peut-être juste utiliser... Ah, j'ai même pas été récupérer des bonbons. Faudra qu'on aille en récupérer. Allez, paf. Voilà. Alors on se retrouve avec eux évidemment comme ennemis, génialissime. Ouah, ce ne sont pas des petites flammes. Allez, paf. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Il est super ton sabre feu. Bling 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 boum. Qu'est-ce qu'on a par là? Alors en vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup plutôt de tester avec Seafeed? Ouais. Un poil mieux. Mais bon, c'est peut-être parce que la magie est augmentée aussi. Ça c'est chiant. C'est très chiant comme magie. Et tu peux mourir en 3 secondes, littéralement. Ok, on a la lance niveau 3. Ça va être chiant. Et je ne peux même pas passer. Hein. Ah, on a atteint niveau 25. Ah bah du coup on va... 25 ? Bah non. On était 20... Ah non, oui, c'était les niveaux d'avant. En fait, on s'en fout parce qu'on peut pas passer de toute façon, donc c'est pas par là. De toute façon. C'est rien qu'on s'embête. Voilà, hop, niveau 25. Théoriquement, on tue lui. Arthos passe niveau 25 aussi. Ah bah si, donc c'est bien par là, alors. Un coup critique à 134. Oh, ce sont pas des petites flammes. Ah ouais, donc du coup il faut analyser ça. Anator, sa magie agira. Éteins le feu. Par contre, faudra utiliser une noix au bout d'un moment. Ah ouais, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, vu qu'on a accès aux noix, en fait, le truc qui est cool, c'est que... D'accord. Le truc qui est cool, c'est que... vu qu'on a accès aux noix... Là, typiquement, on n'a plus de... On n'a plus de MP. J'aimerais juste passer en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est pour descendre. Je vais quand même faire un coup d'analyse parce qu'on sait jamais. Okay. Ah ouais, mais du coup, faut... Alors, est-ce que elle, par contre, vu qu'il y a ça, est-ce que ça marche? Non. Juste tester. Et ça aussi. Non. Donc du coup, il faut que ce soit vraiment déflagration. Bah du coup, on va utiliser une noix. Il ne reste plus que 2. On n'a pas du tout fait le plein de noix ni rien. Hein. Donc c'est la magie qui prend le plus de... Ah ouais... Ils font chier. Ils font chier que ce soit le truc qui coûte le plus, quoi. Ah non, même pas. Hein? D'accord, j'ai pas compris. Sérieux? Oh, c'est chiant. J'aimerais bouger en fait là. Poussez-vous. Ah non, c'est pas là. Oh non, ils sont là maintenant. Je sais pas où je suis, hein. On va tester glaçon pour voir. Mais non, mais... Mais... Oh putain... Mais non. Ça m'explose l'anus. Putain, mais c'est pas possible. Mais non. Pas sur lui que je voulais le faire. Oh là là, quel gâchis d'objet. Bon, j'ai rien compris. Oui, d'accord, et donc... Donc ça, c'est activé, ok. D'accord, et donc... Ah mais il n'y avait pas ça avant. Ah bah si, c'est d'où on vient. Trou du cul. Ouais, mais là on revient là, mais je comprends rien. On a activé le truc. Bravo. Ah mais c'est mob. Mais tape dessus avant qu'il... comprends pas en fait le truc. On l'a bien activé ça. J'ai pas réutilisé une noix dessus quand même. Mais putain, mais on a tout fait dessus. Ah, ça me rappelle Resident Evil hier. On a tout fait. Mais non, fallait refaire 3 fois parce que... Voilà. Oh. Ça, j'aime pas ça quand les jeux ils font ça où tu te dis, bah, tu le fais une fois, ça marche pas. Tu le fais 2 fois, ça marche pas. Bah, ça marche pas. T'es pas obligé de le faire 3 fois pour que ça marche. J'espère qu'il y a un chacha quelque part, hein, parce que... Ah oui, évidemment. Oh, bordel à pouf. Battez-vous pendant ce temps-là. Sphère de la hache, c'est cool. Oh bordel à cul. Ils vont se coincer. Très bien. Suivez-moi par là. Bien. Le problème, c'est qu'il me reste plus qu'une noix. Et j'ai plus de soins. Oh, le pétage de câble va être intense, en fait. Eh bah, vous savez quoi? On va faire un truc. C'est à ça que ça sert. Non mais... Laissez-moi me barrer, s'il vous plaît. Oh, putain. Non, mais te coince pas dans le pylône. Allez. Allez, viens. C'est pas par la Zinedine. On s'en fout, on y va, on s'en fout, allez. On retourne à Kakkara et on va faire des emplettes. Voilà. Déjà on va se... Alors, on va peut-être déjà faire les emplettes et on verra pour sauvegarder après. Allez. Là, il faut faire le plein de noix. Reprendre des coupes désir parce qu'on en avait utilisé. Et reprendre du chocolat. Voilà. Ensuite, on sauvegarde. Et on y retourne. Parce qu'en fait, si t'as vraiment pas de... En fait, c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est y aller au début, déverrouiller un peu tout ce que tu peux déverrouiller, et après retourner au village, quoi. Le problème, ça va être pour le truc de glace. Ah si, il y a le... Ouais, mais Chachan, ouais. Chacha ne fait pas de soins. Donc il faudrait acheter des noix exprès pour se soigner. C'est pas top quoi. Zwinish. Pousse-toi. Allez, on y va. Allez, allez, on monte. Très bien. Et vu que les ennemis, on les a pas tués, les autres n'ont pas repop. Merci. Ah, la lance développe. Ah, j'aurais pu passer chez Vulk pour la... hache. Wow, tant pis. C'est pas grave. Parce qu'en fait, là, c'est surtout Ondine, en fait, qui va... Oh, putain. Voilà. Allez, on y va. Y'a quoi par là? Ah oui, d'accord. On arrive ici. Il y avait un truc là. Oh, 1000 balles. Bah très bien. Qu'est-ce qu'on a par là? De la merde. Oh putain, on va avoir le niveau 26 déjà. Ça m'empêche pas de me prendre toujours tôt dans la gueule. Nostalgia niveau 26. Qu'est-ce qu'on a par là? Un coffre. Encore 1000 balles. Bah dis donc. Généreux en tout cas ce palais. Hein. Et hop, tout le monde niveau 26. Allez, donc du coup il y avait ça, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a par là? On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a par ici? Pas qu'on rush, hein, mais c'est que c'est rien d'attaquer les ennemis pour rien. Non mais ça sert à rien de les attaquer, ils sont pas... Faut les attaquer avec de la magie. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais il est grand ce palais, dis donc. On peut se les faire assez facilement. Allez. Ah oui, on arrive ici. En fait, c'était même pas pour ouvrir, c'est pour déverrouiller ce truc-là, d'accord. Je pensais que c'était pour ouvrir un passage, mais même pas. Oui, bravo. Oh, tu... le fouet de Paul Prédo. Alors on arrive ici, ok. Oh, oh, ah, U. Un, un. Ah, c'est marrant parce que les deux sont en stance d'attaque. Ondine, sa magie agira. Ça éteint tout sauf une flamme. Non, sauf deux flammes. Tulululut. Ah, 10. Ok, donc Micheline. « 2000 PV, 3000 d'XP. » Il craint Sylphide. Pokémon Go. Et paf, la pastèque. En plus, c'est notre magie la plus augmentée. Qui ne peut rien contre nous. Oh, 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 oh. C'est notre magie la plus puissante. Ah bah Sylphie niveau 3 je crois, ou même niveau 4 alors forcément. Je crois niveau 3. C'est pour ça qu'il faut augmenter les magies. La sphère du javelot. Bah là du coup l'idée c'est d'augmenter la magie de feu. Ça va être ça l'objectif. La graine a été volée. No. On sait que la graine a été volée. Mais où? Par qui? Donc la graine a été volée. Ok. Alors théoriquement il n'y a plus d'ennemis, on a battu le boss. Ouais. Donc du coup, là l'idée, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la corde. Parce que la graine a été volée. Mais ça au moins ça a été fait. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est aller au truc de glace. Parce que du coup, c'est sans doute là-bas que la graine a été emmenée. Donc là, du coup... On va au truc de glace, mais avant ça... Vulc est pas dans le coin. Si. Parce que du coup, on a la sphère du javelot qui devient une javeline et la hache qui devient un tungi. Non, ça je veux voir. C'est au niveau de la puissance. 59 en H, ok. Et la javeline 53. Bon, on va garder pour l'instant la lance. Bah non, on va déjà aller. Parce que de toute façon, on va atterrir directement au village. Comme ça, après, on sauvegarde à Polaria. Et... let's gong. Enfin, let's gong. Faudrait qu'on voit s'il n'y a pas la magie de feu à augmenter, quoi. Faudrait qu'on regarde s'il n'y a pas la magie de feu à augmenter. C'est vrai qu'on avait déjà tous notre vie, mais bon. Au moins là, on va sauvegarder, quoi. Alors, du coup... normalement, là, de toute façon, on est blindé d'objets. Ce que je voulais voir, c'était... ouais. Michel... on est niveau combien avec lui? Ah, mais on est déjà niveau 1 avec Anator, d'accord. Non, mais on risque de passer niveau 3. Attends, bientôt. Ondine, bientôt aussi. Athanor, ouais, va falloir voir. On peut l'augmenter un petit peu. Et hop. Voilà. Petit poum. Mais tapez dessus. Mais même par derrière, il donne un coup de patte en fait, comme ça. Pouf ! Il est confus. Il est confus, il se tape tout seul. Non, ça c'est Pokémon. Il se blesse dans sa confusion. C'est mieux dit. Please. Ça se voit qu'on a gagné quand même un petit peu de niveau parce que là les coups critiques, enfin les coups... ouais, les coups critiques on les enchaîne quoi. Ils enchaînent. Alors du coup c'était par là à la base. En profiter hein. Ah bah autant en profiter, mais Michel ne veut pas lancer son sort, donc du coup on n'en profite pas. Autant comme je dis, on a des noix là, donc c'est pas là, on est bon, surtout qu'on n'a pas utilisé une noix du coup. Et là je me dis, si le boss, on a besoin de la magie de feu, ça serait bien de l'avoir upé un petit peu avant. C'est pas par là. C'est vers le nord. Pas par là parce que là c'est bloqué. Allez, hop. Néostalgia niveau 27. Hop. Allez, tout le monde atteint niveau 27. Peut-être passer par là. C'est là où il y avait les 3 ennemis, non? Ah non, c'est encore après. Les Pokéballs. Ouais, maintenant, on a 20 PM. Hein. Et paf. Comme je dis, ouais, l'idée, c'est vraiment là d'augmenter la magie de feu. Je sais pas si on gagne l'XP quand ils s'autodétruisent comme ça. Non, par là c'est le chacha, je crois. Et puis moi j'y vais, moi. Ça c'est chiant. De toute façon, c'est pas par là en plus. Oh, c'est là le chacha. C'était là le chacha. Donc pas utile. On n'a rien utilisé encore. Ah, il y a un tous, mais je sais pas qui. Lui qui est derrière. Aïe. Oh, c'est par là alors. Au gaz, bravo. Il y a de l'eau gaz dans... Non. Merci. Vous pouvez venir maintenant. Ah mais donc du coup, si c'était par là, alors... L'art qui rend confus, il est vraiment cool. Hein. Vraiment, on a bien fait de l'upgrade à ce moment-là. Hein. C'est pas là. Non mais aide-moi plutôt à tuer lui et on verra l'autre après. Du coup, il est parti, l'autre. Oh, le disco ball. Oui, alors j'aimerais bouger à un moment donné. Vous savez, bouger, jouer aux jeux vidéo, tout ça, quoi. Non, mais j'aimerais pas revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. J'avais vraiment peur de crever, hein. Je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est vrai que cette musique-là, je l'adore. Et je l'avais utilisée dans un des jeux que j'avais créé il y a très longtemps, il y a peut-être 10 ans. Qui s'appelait Windworld. Qui en vrai, le scénario était pas... Voilà, hein, c'était trouver les morceaux de la Triforce en gros. Mais c'était rigolo, j'avais réutilisé des musiques de Secret of Mana. Parce que j'adorais ces musiques-là. J'adore toujours d'ailleurs. Putain, mais la Pokéball quoi. Il est con lui. J'ai toute ma vie. Je vais me soigner. Ah, c'est Rotata. On va par là, là. Alors, j'imagine que eux, faut Michel. Mais au moins eux ils givrent, donc ça fait pas mal. Donc ça va. C'est juste chiant. Aïe. Disco ball. Moi ça c'est fait. Voilà, comme ça au moins on passe Arthos au niveau supérieur. Arthos niveau 2 c'est... Et encore là on utilise, c'est la magie la moins forte. Il y a des trucs, tu te dis mais what the fuck. Ah ok, ils ont... Ok bon, ça c'est mur clair, donc c'est... Ok. Ah mais on peut passer là. Non. Non. Bon, tant pis. Je voulais en fait soigner tout le monde, mais non. C'est chiant s'il faut utiliser que de la magie pour les avoir. On a des noix, hein, mais bon. Non, par là, Micheline. Elle m'ennuie. Allez, mais soigne tout le monde. Non, pas par là, Zinedine. Par là. Bon, on est, c'est pas encore là, il y a un truc qu'on n'a pas ouvert. Il y a une porte de l'autre côté. Ça, au moins, là c'est sûr que Anator, ouais, là on l'augmente, hein, ça c'est clair. Je sais pas si... Où est-ce qu'on en est? Ah ouais, on en est déjà à Tanor en plus. On est déjà à 42 quoi. En fait, je vais l'autoriser à les niveaux 2, Micheline. Au moins. Parce que je l'avais limité au niveau 1 parce que je me dis en fait elle va jamais tirer. Mais soigne tout le monde. Merci. Faire du gant. Ah, c'est sympathique, mais c'est pas ce que je veux. Aïe, aïe. Mais... Est-ce qu'on n'est pas censé faire demi-tour ou quoi? Ah non, en fait, il n'y a rien de plus de ce côté-là. Ou c'était bien par là. Merci. Ouais, d'accord, mais... Ah, mais en fait, on peut quand même le tuer. Oh, ça... Tellement d'ennemis dans tous les sens. Allez. Non. Allez. Mais c'est pétage de plomb, hein. Allez. Non mais... Ah! Non mais... on s'en fout. Il reste deux noix, ça va. Ah oui, merde, putain. Mais elle s'est pas soignée. Oh, ça me... Elle me rend folle. Je lui avais bien demandé de se soigner. Ah, ça va coûter cher, ce truc. Voilà. Purée. Bon. Maintenant qu'on est à peu près tranquille. Comment ça fonctionne, ce truc ? Ah oui, non, bah, d'accord, ok. Bah, heureusement que l'ennemi était là pour me signaler qu'on pouvait passer par là, hein. Oh, un trou! Ah, oh, oui. Non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est pas encore eux. C'est pas encore eux, c'est ceux d'après qui vont être chiants. C'est à partir de là que on va pouvoir s'amuser. Allez hop. Ceux-là. Allez. Non mais tu m'ennuies, Michel. Ceux qui ils se mettent full life en 2 secondes quoi. Ça va être un poil plus long. J'ai pas envie d'utiliser une noix. Allez boum, 140. Zwing, zwing, zwing. Tout le monde passe au niveau. Ah non mais eux c'est chiant. Ah. En fait ils sont chiants. Ils sont pas dangereux comme leur contrepartie du feu. Qui eux étaient chiants et dangereux à la fois. Là non ça va. C'est juste chiant. Ah, ça marche pas en fait. Je voulais savoir si ça marchait, mais en fait non. Ouais. Non. En fait, je voulais utiliser une noix parce que je me dis, bon, au pire, s'il y a un autre combat de boss et tout, mais là, non. Alors... Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Obéis-moi, fais demi-tour. Parce qu'on sait jamais. Va-t'en. Alors? Non! Quel gamin prétentieux! Viens, c'est l'heure de ta punition. Alors, on va déjà faire un truc. C'est ça. Puis ça. Noix sur Arthos. 1400. Non. Ah, Anator niveau 3. Va voir. Il fait comme le tigre quoi. Hop. Là du coup il a mis... ouais voilà, il nous met l'effet glace sur nos armes. Et du coup, ce qu'il faut faire... c'est ça. Et ben voilà. Ah, quand on up les magies tout de suite, voilà hein. Ah, quand on up les magies tout de suite. Mais là on s'en doutait que c'était... De toute façon, Ondine n'a pas vraiment de magie d'attaque. Pas glaçon. Ça va se faire du boomerang. Boomerang. Oh tué. Maître, Père Noël, tout va bien? Oh oh oh, Rudolph, pas trop inquiet. Je vais bien, tu sais. J'ai été transformé en méga glace car les enfants ne croyaient plus en moi. Quand Mana faiblit, les enfants ne rêvent plus. Je voulais tant retrouver... voilà, tant retrouver tous leurs rêves. On m'a dit que les arbres Mana poussaient en une seconde. J'ai donc cherché une graine Mana pensant faire pousser un immense sapin de Noël. Mais cette graine-là m'a transformé en monstre. Si on abuse de la force Mana, elle peut être dangereuse. Prends la graine de feu, tu en as besoin, non? On va pouvoir remettre la graine. Et ben voilà. Une tâche rondement menée. Ouais, du coup on a toujours le... ouais. Alors on a battu un gros tigre, mais on se fait toujours défoncer le cul par des mobs bas niveau. Enfin, des péons lambda. Oh, 2 coffres. Un bonbon. L'autre coffre, c'est quoi? 1000 PO. Un chocolat. Ah oui, on avait utilisé un chocolat, c'est vrai. On va dire, bah, on n'a pas utilisé le chocolat, mais si. Donc, retournons à Kakkara, du coup. En fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire le palais de feu avant. Parce que maintenant que du coup, on a fait tous les ennemis du palais de feu, bah, du coup, on est tranquille. Et en plus, on a gagné de l'XP. Il lui reste encore un peu de... Ouais. On va pas s'arrêter là au niveau leveling, quoi. Autant continuer. Autant tout vider. Bon, tant pis. Micheline. C'est vrai qu'il y a une Pokéball ici. Tout vider en fait, comme ça on sera tranquille. Parce que là on retourne à Kakkara, on reva à l'auberge. Enfin on va voir Vulk déjà avant. On retourne à l'auberge. Et on retourne au palais. Ah oui, non, faut que personne ne meure, s'il vous plaît. Sinon, ça va coûter cher. Voilà. Sinon, ça va coûter cher, au bout d'un moment. Bon, pas qu'on ait... En vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que je ne sais plus où est le... Où est le canon? Alors, le gant. Et le boomerang. Du coup, au niveau... Donc ça... C'est pas top. Alors par contre, je ne sais plus où se trouve le canon. Il se trouve... Putain, je sais plus. Trouver où déjà le canon? Et pas là le canon. Merde, il se trouvait où le canon déjà? C'est le seul problème, c'est je ne sais plus où se trouve le canon. Ah merde! Non, de partout on est tout. Ah si peut-être. Ah je sais plus. Parce que je me souviens m'arrêter par là au retour. Bah non. On avait été ici au retour. Il était là le canon? Je sais plus. Je sais qu'il y a un canon par là. Ok, il était là. C'était qu'une petite parenthèse enchantresque avant d'arriver à Kakkara. Bibabiboum. Du coup, on va passer un petit peu à l'auberge pour sauvegarder. Et on va aller mettre la graine. Du coup, on est déjà de niveau 27. Parce que je vois qu'on était 25 avant de... Ah oui, il faut que je reprenne... Parce que pour les mêmes dégâts, j'ai une meilleure allonge, donc... Autant... Autant prendre la lance. De toute façon là dans l'eau il n'y a pas d'ennemis, donc on peut foncer tranquillement, allègrement jusqu'au centre du palais. Même s'il faut faire le tour. Point, 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 point. C'est pas par là. Point, 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 point. Ah, c'est vrai que dans un sens, on peut même explorer un petit peu. Non, là-bas, c'était la sphère de machin. Par là, de la merde. Qu'est-ce qu'on a tout droit? À la merde. Moi. Bah. Non, pas par la Zinedine. Alors ensuite, tout droit, tout droit, tout droit. Takada, takada, takada. La graine est sur le stade. Bandit épée. A reçu la magie de la graine. Ok. J'étais en train de dire un truc. Le fait que j'ai pas l'épée en main, ça change rien, on est d'accord? Donc ça ne change rien. Bon bah du coup ça c'est fait. Ah oui, donc du coup là maintenant va falloir retourner au village. Parce que du coup maintenant il va dire ah mais ça y est c'est bon, nous avons... On va faire tout le chemin. Va falloir racheter des trucs d'ailleurs au village. Changer d'arme. Pas celle-là. C'est bon, la graine est revenue. Oh, fantastique. Merci, héros. Voici un marteau. Aïe. Bonjour. J'ai des spasmes. La graine n'a pas fait revenir l'eau. Mana s'affaiblit. Ah, si nous avions une queue de lièvre de mer, ah, sinon tout est perdu. Quoi ? Tu as ramené la graine de feu. Merci. Mais nous n'avons toujours pas d'eau. Oui. Et sinon pissez dedans. Hein. Nos puits sont à sec. Il me faut de l'eau. Okay. Alors ce sera acheté, oui. Ouais, faisons notre stock. Désir, on en a encore 3, donc théoriquement c'est bon. Alors, par contre, vous avez de... Tout le monde part. Je crois que je vais aller... L'Empire? Même l'agence Canon, il fait des excursions. Pardon? Bah let's go hein. Quand tu es dans l'Empire, garde profil bas. Lui soit dans le canon. Bah let's go tout l'Empire hein. Je pense qu'on fera le tour là-bas et que on s'équipera, on s'achètera et tout, et puis on verra bien. Ah mais je crois que c'est la ville que j'aime bien. C'est une des villes que j'aimais bien quand j'étais petit. Est-ce que c'est celle-là? Ça a pas l'air. J'aime bien la musique déjà. C'était ça. Ah, presque. C'était pas tout à fait celle-là. C'est Sudia, de l'Empire. Je crois que c'était l'autre ville. C'était pas encore celle-là. Mais c'est à la même musique. Ah non, si, c'était celle-là. Oh, my bad. Si, si. Je me souvenais plus du début. Et nous voici du coup à l'Empire. Sans PO. Ils sont pas... Ok. Mais regardez comme c'est beau. Ah, ça vaut de vivre dans un empire quand même. Hein. Bon, ok. Peut-être que... Ouais, si tu t'intéresses pas à la politique... Peut-être que c'est bien. Hein. Mais quoi en haut? Moi j'hésite. Ah c'est un... C'est le marchand. Et ce sera... Oh, oh, la banque golem. Le gilet de rubis. Ah bah oui, on a le gilet doré. On va pouvoir se stuffer à max. Hop. Ah bah là on dilapide notre argent, mais alors là, vitesse grand V. Hein. Bah pour l'instant pas vendre, on va voir après. Alors du coup, la cagoule. Ça sera pour eux en fait la cagoule. Merde. Ah. Petit 43 de défense. Alors maintenant à eux. 17 à 26 quand même. Bonjour monsieur, nous allons maintenant vous revendre notre camelote venant du royaume. On va encore 1500 quand même. Ah bah je lui ai pas mis de bracelet à Micheline. Bah, attendez. Je pensais lui avoir donné le bracelet. Micheline. Alors je t'ai pas donné de bracelet? Et bah voilà. On est stuffé comme Jaja maintenant. Par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un mec chelou, Après, j'ai pas l'impression du coup qu'il va y avoir des ennemis à proximité. Bah non, là-bas c'était le canon de toute façon. Le problème c'est que si on a 3 tonnes de cinématiques, ça m'embêterait. Attends. Okay. Ah ok, moi je m'en vais. Ces temps-ci, l'empereur est très contradictoire. En quête de paix, il prépare la guerre. Il a une troupe de monstres dans le château. C'est toi le chat? Marie transporte toujours une petite boîte. Ça s'appelle son godemiché, tu laisses ça tranquille. Une heure 54. Bah allez oui. On va sauvegarder, on va s'arrêter là je pense. On va s'arrêter là de toute façon. Secret of Mana on n'est pas pris par le temps. Donc autant se faire des petites sessions tranquilles. Prendre son temps. On a le temps. Secret of Mana c'est pas... on n'est pas pris par le temps comme avec... Comme avec Resident Evil, ou là Resident Evil, j'aimerais le planning est un peu parce que bah, comme je disais, là il faut qu'on, là j'aimerais bien samedi, parce que du coup exceptionnellement samedi soir il y aura un stream. J'aimerais bien samedi qu'on finisse Resident Evil pour pouvoir commencer Resident Evil 2 tout de suite dès alors normalement mercredi, même si au pire peut-être mardi soir, on verra bien. Faut que je réfléchisse encore si mardi soir, soit je fais du Resident Evil, soit je joue avec Neo si on se fait un stream multi, ou si on fait ça la semaine d'après. Faudra voir ça, parce que j'aimerais bien du coup bien avancer Resident Evil pour vraiment pas être bloqué, parce que dans l'idée, il faudrait qu'au mois de mai, on fasse le nouveau Star Wars. Pour le May the Force Be With You, pour voilà, le mois Star Wars. Ça serait bien de pouvoir faire ça. Mais pour ça, il faudra déjà avoir fait Resident Evil 2, Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 3 et Resident Evil 4. Donc ça va vite se chambouler. Alors que Secret of Mana... Le jeu, théoriquement, après Secret of Mana, c'est sans doute Commando 3. Donc en vrai, Commando 3, voilà, on le fera, mais il n'est pas non plus hyper obligatoire. La date n'est pas hyper obligatoire, quoi. En tout cas, sur ce, j'espère que ce live vous aura plu. Nous, on se retrouve donc demain à 20h30 pour la suite de Resident Evil, Resident Evil Remake. Normalement, là, dans Resident Evil, ce qu'il nous reste à faire, c'est, je crois, récupérer un autre livre, ou je sais plus. Faut qu'on voit ça. Parce qu'on a encore des salles, en fait, à fouiller. Là, je sais qu'au début, il faudra pas oublier d'aller récupérer la batterie, etc. Pour plus tard. Je pense qu'en fait ça doit être pour l'ascenseur qui est dans la cour et après du coup théoriquement il faut qu'on trouve cette clé Spencer pour pouvoir ouvrir la fameuse salle qu'il y a en haut à droite du plan qu'on n'a toujours pas accès. Donc pour l'heure après il y a peut-être la grille derrière l'escalier, je sais plus si elle était fermée par la clé casque. Je sais plus du tout. En tout cas, on verra ça donc demain. Et du coup, samedi soir, on essaiera de terminer Resident Evil tranquillement. Pour du Secret of Mana, ça sera du coup la semaine prochaine, jeudi prochain, tous les jeudis, hein, les 2 heures de rétro. Évidemment, si vous voulez être notifié des lancements de live et d'autres informations, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter Metroid02 Stream et évidemment à la chaîne Twitch Metroid02. Et à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, pour avoir toutes les dernières VOD. Non, toutes les VOD de la chaîne, qui passent donc, du coup sur du Explore, du Caesar, du Commando 1, du Commando 2, du Hidden Dangerous, du Star Wars Jedi Fallen Order, du Star Wars Battlefront 2, du Star Wars Battlefront... et évidemment aussi, j'allais oublier, mais évidemment les 2 heures de rétro avec du Aladdin, du SimCity, on a fait un peu SimCity, on a fait du Illusion of Time, on a fait du Mystic Quest Legend, on a fait tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et moi je vous dis à demain 20h30 pour du Resident Evil. Allez, ciao!